mange bien. Si vous voulez bénéficier de conseils en alimentation et en organisation, faire le plein de recettes à faire avec vos enfants, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge « S'abonner ». N'hésite pas également à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant quand une nouvelle vidéo est disponible. Et si les repas sont source de conflit chez toi, je t'invite à télécharger gratuitement mon e-book « Les 5 clés pour des repas plus sereins ». Je te mets le lien en dessous de la vidéo. Et cette semaine, je partage avec vous ce qu'on va manger. À savoir, je planifie mes repas la semaine. Je planifie en principe un repas par jour. Et le soir, en fait, on mange les restes ou je fais des mix avec ce que j'ai dans le placard. Il y a des soirs où on mange pas du tout, ou ça grignote, mais voilà, ça en fonction de la faim. Et je prévois toujours des crudités pour l'entrée, donc carottes râpées, des petites betteraves, des tomates cerises, du concombre, voilà. Donc on est quatre personnes, deux adultes et deux enfants. Donc notre budget alimentation, il varie entre 500 et 700, mais c'est plus proche de 500. 700 là, c'est vraiment là, je suis montée à 700, mais c'était un petit peu pendant la période qu'on a traversée où il y avait tous les repas assurés. Mais sinon ouais, c'est plus entre ouais, je tourne autour des 500 en principe. Je vais pas plus haut là, c'était un petit pic, mais voilà. Dans cette somme là, il n'y a pas les repas de la cantine ou les repas pris à l'extérieur, c'est vraiment que l'alimentaire, que l'alimentation courante. Donc pour la semaine, ça revient à peu près à 116 euros, ouais, une centaine d'euros par semaine. J'ai regardé un petit peu. En France, le budget consacré à l'alimentation, le budget mensuel, il est de 385 euros. Donc c'est une moyenne, c'est une étude qui date de 2017, qui a été faite par OpinionWay. Voilà, moi je suis un peu au-dessus. Mais après, c'est vrai que je privilégie pas mal les circuits courts, je fais pas mal mes achats au marché, en magasin bio, et puis après je complète en supermarché. Après c'est aussi une étude qui date de 2017, donc c'est vrai que les prix ont aussi augmenté, donc dites-moi vous si vous vous rapprochez de cette moyenne, ou si vous êtes plus bas ou largement plus haut. Enfin après ça dépend aussi de la composition de votre famille, voilà. Parce que là, ouais, pour l'étude, c'était une famille de deux adultes et deux enfants. Donc, pour moi, ça correspondait à ça. Voilà, on se retrouve en cuisine. Je vais vous montrer ce qu'on va manger cette semaine. Et voilà, n'hésitez pas, s'il y a une recette qui vous plaît, je peux vous la détailler un petit peu si vous voulez tester. Alors voilà ce qu'on va manger cette semaine. J'ai repris un panier Kitok. J'ai pris 7 recettes pour 3 personnes, parce que les petites, vu ce qu'elles mangent, ça compte pour une demi-part. Voilà. Donc voilà pour la première recette. Donc voilà, le wok de merlu à la sauce soja et au sésame. Donc on a l'ensemble des ingrédients. Tac. 3% de sauce soja. Et puis voilà, les
fiche recette, ça se présente comme ça. On a tous les ingrédients en fonction du nombre de personnes, ça correspond. Les ustensiles qu'il va falloir avoir pour cuisiner. Il y a des petites vidéos techniques si on a besoin d'aide pour sur le site. Et après, il y a tout le déroulé de la recette. Ça sera pour toutes les fiches. Et puis, voilà, sur bon, celui-là, il est pas compatible avec un robot. Mais par exemple, la recette de Butter Kitchen au poireau, vous voyez, elle est compatible avec les robots cuiseurs, compagnons, Thermomix. Voilà. Donc, cette recette. Voilà. Là, on a la salade asiatique à l'huile de sésame et aux cacahuètes. Voilà ce qu'on va retrouver dedans. L'huile de sésame, ça c'est la sauce soja, le riz, la carotte. Et les tomates. Ensuite, on a des tagliatelles à la canette et à la sauce tomate. Donc, une sauce tomate, échalotes, la courgette, les filets de canette, les tagliatelles. Ensuite, on aura une salade de papillons à la poitrine fumée et au pesto et au basilic. Donc, on a de la roquette, on a du parmesan. Une gousse d'ail, on a de la poitrine fumée, du basilic, des petits papillons, des tomates. Pour celle-ci, pour le poulet saganaki à la feta, ben on a la feta, on a les filets de poulet, on a l'échalote, la semoule et les tomates. Et la dernière recette, la brandade. On a les pommes de terre, le citron, le bouquet garni, le poisson, la petite gousse d'ail et la courgette. Voilà pour cette semaine chez nous. Pour un panier de 4 personnes, 3 personnes pardon, pour un panier de 3 personnes pour 7 repas, ça a une valeur de 95 euros. Donc moi je bénéficie d'une remise de 15 euros sur mes paniers pendant un mois. Donc j'en ai eu pour 80 euros. Voilà. Voilà, si vous êtes intéressé, je vous laisserai mon code parrainage dans la barre de description en bas. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, si vous voulez partager votre avis, vos idées, vos envies pour les prochaines vidéos. Moi, je suis entièrement ouverte à vos propositions. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite. Bye bye.